Sombrage. Putain. Le start parfait pour Kalia en plus. Let's go. Oh là 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 là. Excellent. Après, est-ce qu'on la joue comme Kalia? Je pense pas. Parce que Kalia, c'était juste... C'était juste genre deux tombes. Pardon, monsieur. Je vous emprunte cette armure. Allez, on l'équipe tout de suite. On essaiera de la jouer un peu comme Kalia, mais on mettra un peu de magie quand même. Parce que c'était une guerrière avec du tout, mais bon, bon c'est pas fou. Avec une grosse hache nordique. Je sais pas quelle école de magie on pourrait utiliser avec Kalia. Ah ouais, ça commence comme ça. Ah ouais, ça commence comme ça du coup. Oh putain. Oh, c'est un plaisir. Et voilà, je suis à poil parce que du coup, c'était une armure volée. Fait chier, putain. C'est pas grave. On va insister, nous. Nous ne savons même pas si elle existe. Les Jarls sont en colère. Ils ne vous soutiennent pas. Voilà. Casse-toi, Ulfric! Maudite soit l'assemblée. Nous devrions rester ça. Ta gueule. Allez. Ah, mais attends! J'ai une armure là! What? Attends, elle sort d'où cette armure? Je comprends pas. Bon, ok. Bah, je prends. Hein. Let's go. Alors, on s'en fout du shield. On va jouer avec une arme à deux mains. Celle-là, c'est la bonne. C'est vrai qu'on commençait à la jouer, je me rappelle l'armure légère, mais on s'en fout. On s'en fout, on s'en fout, on go full armure lourde. Voilà. 1, 2, 3. Tac. Let's go. Alors, bon. On pourrait même jouer. En vrai, j'ai envie de rejouer le démoniste. Fuck this shit. On va jouer avec une arme conjurée. J'admets, j'ai fait de la merde. Ça se reproduira pas. Mais on va jouer. On va rejouer des mots. Rien à foutre. Vous avez dit sur mon compte, c'est probablement vrai. Monsieur, monsieur, monsieur. Ça coûte combien vos sorts? Pour ceux qui ont assez de talent pour s'en servir. Moi j'ai toujours du talent. Toujours. Barguest. On va prendre le Barguest pour l'instant. L'arme conjurée, ça viendra plus tard. On va prendre ça tout de suite. Je m'en fous. Barguest. Voilà. Et c'est le crash. Bah ouais, le crash. Voilà. Ça suit toujours le même pattern. Deux morts, une crash par stream. Un crash. Ou deux. Ça dépend. Bon, je relance vite le jeu. Oh là 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 là. Encore une catastrophe, ce stream de Skyrim. Ah! Qu'est-ce qu'il me fait? Juste regarder ça. Hop.
Ça, on garde sur le côté, let's go. Donc c'était Kali. Kali, Kali. J'espère qu'elle sera à la hauteur de la vraie Kalia. Bon après, quand on jouait la vraie Kalia, c'était pas avec le Permades. On était mort beaucoup de fois aussi avec elle. Kali, Kali, Kali. Où es-tu donc, Kali? Cori. Cori, Kali, Kali, Kali. Elle est là. Ok, c'est une autosave. Bon, je peux sortir là, ça va pas me faire crash. Ça devrait pas, normalement. C'est bon. Je serais bien plus réchauffé. Alors, religion, Shore. Je vous cherchais. Voilà. Contre les elfes, on reste fidèle à la vraie Kalia. Hein. Je dois y aller. Peut-être que ça va nous porter chance. Même si au final, les elfes, on va pas en croiser beaucoup. Alors... Bon, on va aller par là. C'est pas grave si on sommeille un peu. Les impériaux croient qu'on a besoin de l'armure. Vous devriez vous débarrasser de l'équipement dont vous ne voulez plus. Adressez-vous à la... Elle est où ma hache là? Alors après, faut faire gaffe avec les armes à deux mains parce que ça peut cleave hyper facilement. Et quand on a un allié qui joue au corps à corps, on peut facilement le tuer. J'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Merde! Pourquoi je vais pas direct à la mine de Malachite là? Voilà. S'il te plaît, s'il te plaît, tu me vois toujours? Tu me vois plus? Ah, c'est bien. Alors, on va miner. Où est la pioche? Elle est là-bas, la pioche. Je crois que même qu'on peut en avoir deux. Si vous avez du dromel, je vous souhaite la bienvenue. Et si vous n'en avez pas, je vous la souhaite quand même. C'est bon. De la bouffe là. Putain, ça améliorait un skill, je le lisais jamais ça. Oh le con. Formidable. Ok. Comme si on ne voyait pas. Qu'est-ce que toi, tu as un coup de pioche toi? Vous allez à Vendôme? C'est dangereux de travailler dans notre mine. Les dravidiens continuent de nous motiver. Enfin. Allez, on prend de l'eau et on bouffe ça. Tiens, pour pas voir l'animation, j'ai juste à sortir la pioche. C'est bon. Et il y a deux pioches, parfait. Mine est constamment sur le point de s'écrouler.
Alors après aussi, c'est vrai qu'avec ordinateur, c'était bien de jouer à la hache parce que tu pouvais avoir une exécution. Quand le PNJ il avait moins de 25% d'HP, là avec vos cris, c'est en jouant l'espadon que t'as ça. Donc c'est un peu dommage. Je sais pas ce qu'on a à la place en H, je vais juste regarder vite fait. Hop. Maîtrise à deux mains. Corps écrasant. Non, ça c'est. Les masses. Les haches baissent les vivants pendant 10 secondes. Inflige 15% de dégâts d'attaque supplémentaire. Ok. Lame à crochet. Les attaques puissantes avec une hache sont comme un bloc écrasant, infligeant un coup critique et renversant la cible. Ouh, c'est un CC. Ouais, du coup, c'est le coup de grâce qui a bougé. Qui était avant sur ordinateur sur la hache. Non, c'est sur l'espadon. Le coup de grâce. C'est trop bien, ouais. C'est bien le coup de grâce, mais après, bon. Toujours à la hache quand même. Ça me dérange pas. La hache liée même qu'on va jouer. Pour ça, faut survivre. Faut pas mourir comme une merde au début du jeu, là. Hop. Tac. Bon, on va pas faire la même erreur que tout à l'heure, on va laisser les loups tranquilles. En solo, on se fait victimiser. Bon allez, là, Kali, elle survit la semaine. Je l'annonce. Ta gueule, pas le temps. Est-ce qu'on a des crochets aussi pour crocheter la serrure là? On en a deux. Ça va être chaud. Merde, on est détecté en plus. Là, on est bien. En vrai, c'est pas grave si on se fait détecter. C'est pas dramatique. Ça m'a un peu cassé les couilles, ça, par contre. Parce que ça m'a un peu niqué l'essai. Allez, vas-y, passe. Putain, elle me voit sans me voir, en fait. C'est ça qui est relou. Oh! Oh, ça se trouve, c'est ouvert. Ah non, c'est presque ouvert. Non, c'est à droite. Fuck this shit, man. Peut-être un peu à gauche. Oh, let's go! Ok, c'était parfait. Tac, donc là, on va essayer de pas se faire repérer. Et voilà. C'était clean. Clean as fuck. Boum! On va attendre avant de les améliorer aussi, les bottes. On va faire fondre le métal là tout de suite. Comme ça, on pèse pas très lourd. Ah.
ralenti. Ça devrait s'ouvrir tout seul. Merde, à gauche. Ouais, c'était à gauche. 5 crochets, nice. On me fatigue un peu. En vrai, la vraie Kalia, qu'est-ce qu'elle aurait fait à la mine des bonites? Elle aurait massacré tout le monde. Mais bon, nous, on va s'abstenir. C'est pas la vraie Kalia qu'on joue, de toute façon. C'est presque la même, mais pas vraiment. C'est la Kalia qui essaie de survivre, déjà, de base. Il veut pas partir, le fumier! Ah ouais, il est comme ça, il est réticent, hein. Allez, un santé. On va mettre. Non, on va mettre conjuration. Un point en conjuration tout de suite. Comme on avait fait avec le démo. Puis après, on go pierre de rituel. Je sais pas si on va jouer un peu tout le délire du démoniste. Soit on va jouer que les invocations du démo. Soit on fait tout, mais je sais pas. Kalia, c'est avant tout une guerrière, c'est pas vraiment une mage. Pardon! Tiens, prends. D'accord. Oh, tu m'as cassé les couilles. Vas-y. Oh shit. Qu'est-ce que tu fous à poil, Kalia? Tu trolls! Putain, mais on était sérieux là? Oh là 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 là! Vas-y, hein. Putain, mais. Fuyons! Putain! Oh, elle m'a cassé les couilles, elle! Oh. Holy shit! Ils me suivent ou pas? Ils me suivent pas. On reviendra là. On reviendra ici. Vas-y. Go RP la vraie Kalia en vrai. On va massacrer tous les orques. No joke. Là ils m'ont tellement chauffé. Vas-y, ça dégage. J'en ai rien à foutre. Par contre je passe dans des endroits assez chauds. C'est bon. On reviendra ici, on va se faire tous les orques. Hein. Alors, peut-être que je pourrais plus bouger. Non, c'est nickel. Alors là, faut faire gaffe parce qu'il y a plein de choses qui font mal. Oh merde. Ok.
faire le tour par ici. Full sprint. Alors on va éviter de sauter. On reviendra miner le reste de l'ébonite. Oh, elle m'a cassé les couilles, putain. Le pire, c'est que des fois, tu vises même pas le PNJ et ça le touche quand même. Ça rend un peu fou. Ouais, s'il faut faire gaffe. Il y a des choses dangereuses. Je pense que malgré nous, on va rester fidèle au RP de Kalia. Hein. Yep, 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 yep. Bon, qu'est-ce qu'on fait du coup? Ce qu'il nous faut maintenant... Ce qu'il nous faut, c'est une tente. Il nous faut une tente. On va dormir à l'auberge, là. Au Bosquet Kin. Tatsel, sweet roll, machin. Vas-y, je vais prendre une chambre aussi. Pas de problème. Elle est à vous. Je vais vous montrer votre chambre. Suivez-moi. C'est où? C'est à gauche, à droite? C'est à droite? C'est ici? Ok, on va dormir. Peut-être 5 heures, allez. Let's go, c'est suffisant. On n'a pas beaucoup d'or. On raconte qu'Ulfric Sombrage aurait assassiné le haut roi avec ses cordes vocales. Il aurait mis en place. De Némésis, tant mieux, on va aller à Blancherive. Blancherive, monsieur. Bon, Biusli, là, on va aller chercher comment Sven. Dès qu'on l'aura sous notre aile, on va aller faire la mine, perd pas de time. C'est bon. Ah, il y a aussi le fameux géant. Invocation. Ah merde, j'ai pas assez de magie. Ah, c'est relou ça. Fais gaffe à pas mettre des coups de hache aux compagnons. Tiens, je vais mettre. On va mettre un point en magie. On va mettre un point en deux mains.
Malgré tout, on peut pas? Putain, mais c'est... Comment ça se fait qu'en breton, on pouvait... invoquer facilement? Non, ça... Pardon, voilà, j'ai mis un coup à Ria. Putain, Ria, elle troll aussi. Genre j'ai mis un coup, juste en bâchant. Ok, j'ai dû mettre un coup à Ria. Et ça l'a énervé. Putain, jeu de con. Oh, ça me gonfle. Voilà pourquoi je joue à deux mains avec le géant, c'est relou. C'est bon là, ils peuvent s'en remettre ou quoi? Putain, ils sont toujours en aggro quoi. Je vais m'éloigner, je vais revenir. Putain, la chance que j'ai quoi. Genre... Non, ça suffit pas. Je vais attendre que les points rouges disparaissent. Et je reviens. C'est bon? Ils disparaissent, ils disparaissent pas? Putain, ils veulent pas disparaître. C'est ouf. Bon bah adieu ma free XP, I guess. Quelle soirée sur Skyrim en vrai. Voilà, là c'est bien. Il est mort? Non, il est pas mort. Putain, je suis toujours pas l'invoquer quoi. Allez, on arrive niveau 4. Super. Vas-y, je vais améliorer la magie. Blessure mortelle, les haches. Ok. On va jouer ça tout de suite. C'est un petit bleed. T'es comme ça toi. Alors. Holy shit, trop classe. Bargeist. Donc c'est un loup. Voilà. J'ai l'impression que je vais venir. Putain mais je lui mets des coups quoi. Encore. Ouf, je l'ai paré. Je l'ai paré, je l'ai paré. Tiens. Allez.
C'est bon, ils m'en veulent pas les autres. Allez, exécution, on meurt. Pourquoi il veut pas mourir là? Pardon, j'ai mis un coup. Ouf! Putain, j'ai cru qu'ils allaient m'aggro encore. Bon bah voilà. On peut up. Non, on peut pas up. Je pensais qu'on avait eu un level encore. Bon allez, Sven. Sven, monsieur Sven, faut même bouffer un petit coup. C'est bon, t'as mangé, t'as pas mangé. Je peux récupérer son casque aussi, genre. Oui, tout ça. C'est qui ça là-bas? Ah, ok, c'est un cerf. Bon. Un élan. Et il pleut sans nuages. Presque. Arrive voir. Allez, Sven. Il est pas là, Sven? Genre. Quelle heure il est? 3h20? Bon, bah, je vais dormir alors. Dormir 6 heures, ça suffira. Bienvenue. Si vous voulez quoi que ce soit, je suis là. Je dois avoir une chope pas trop sale quelque part. Popopopopo. Qu'est-ce qu'on fait en bouffe? Prendre de l'eau? Je vais prendre de l'eau. Pour une chambre, parlez à Delphine, bien entendu. Transporter trop de choses? Ah ouais, j'ai 4 gourdes. C'est bon. Allez, Sven, maintenant. Il est même pas dans la taverne. C'est ouf. Qu'est-ce qu'il fout? MDI. Puis on va faire avec Fendal. Je sais pas ce que fout Sven. Il dit qu'il porte une femme aussi belle et intelligente. Je me dis, pourriez-vous me porter cette lettre et lui dire que c'est de la part de Sven? J'ai une lettre pour vous de la part de Sven. Non, on va dire ça.
Merci de m'avoir dit la vérité. Vous devriez aller voir Sven. Vous n'êtes pas d'ici. Et moi, non. Sven. Il est pas chez sa grand-mère, là. J'espère qu'il est revenu à la taverne. Putain, mais il est où? Il rend fou, Sven, là. Attends, je sais pas pourquoi je mets pas le marqueur. Il est là. Bah, tu te lèves tard, mon grand. Ça m'étonnerait qu'il y ait mis à ma chambre. Allez, suis-moi. Est-ce que j'ai des armures? Non, j'ai pas d'armure à lui donner. C'est ici. Tiens, on va le faire jouer à l'épée au bouclier. Comment ça détecter? Parle-moi le jeu là. Pourquoi je suis détecté là? On s'en fout. On va lui donner ça. Encore là. Aucun problème. Que puis-je pour vous? Tac. Pourquoi elle veut pas équiper aussi? Ah merde! Ah oui, d'accord. Au final. Tiens, je te file ça. Hop. Et je peux toujours pas courir. Ouais, mais c'est normal. À ce moment-là, je vais te filer la récolte. On n'a pas beaucoup miné chez les orques, malheureusement. Remarque, si, pas mal. 26 d'ébonite, bon. On reviendra, on leur coupe la tête. Rien n'a branlé. Est-ce qu'on est prêt à casser du bandit? Allez, on y va. Tiens, je vais faire un truc. On va sauvegarder. Il y a des loups là-bas. Je vais invoquer mon invocation. Et on va rusher la mine. Comme ça, ça nous améliore un petit peu la conjuration. Ça fait pas de mal, ça mange pas de pain. On va sprinter. Au, bitch. Voilà. Là, c'est très bien. Sven? Il m'a pas suivi, Sven? Oh putain, t'es sérieux? Bon, on va le laisser. Peut-être qu'il reviendra. Hein. Je pense pas qu'il soit mort. Ça m'étonnerait. Ce serait trop facile, sinon. Alors, hop, on va sauvegarder. Il se passe des trucs chelous avec Kali en vrai. Pardon. Ça va, tranquille. Bon, Bargeist, ça va. J'ai peur de lui mettre trop de coups et il va m'aggro après. Je vais en invoquer un. Oh!
Oh, retourne-toi. Par là? Non, même pas. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Bah, il est là-bas. Il bouge pas. Bah, viens par la beauté. Attends, je t'ai pas eu? Ça, on les montre. Oh, on lui casse le crâne. Hop, on va améliorer la santé. Et l'armure lourde, on a commencé à améliorer l'armure. Non, je suis surbooké. Oh, c'est relou ça. Tu vois, à quoi ça ressemble? Ouh, c'est stylé en vrai. Je pensais que c'était un bouton noir, mais en fait, il est dessiné un petit peu quand même. Bottes de fer de foudre atténuée. Et on transporte trop de choses. Mais où est notre ami Fendal? Sven. Personne ne le sait. C'est relou. Du coup, moi, je sais pas comment je fais là. Je sais pas comment je fais. Si je jette ça et je jette ça. Voilà. Ça devrait aller mieux. Je vais pas miner ça tant qu'il n'y a pas Sven. Je sais pas ce qu'il fout. Ah, il est là. Attends, je l'avais pas vu. Viens la lumière, bitch. Putain, mais j'arrête pas de lui faire des dégâts, c'est relou. Je veux même pas. Ça a boosté ma conjuration. Là, j'y vais. Merde. Ah! Putain, l'invoque. J'en invoque une. Est-ce qu'on a les dégâts de ces moments? C'est pas fou. C'était chaud là. On a pris un peu la teub. Ah ouais, faut qu'il fasse l'animation là. J'arrive. Boum. Parfait. Finalement, je pense qu'on va jouer full démoniste hein, à deux mains, comme on a essayé de faire avec le Breton, sauf que ça s'était mal passé. Hop.
les items. Je vais me faire une marmite. Sauf que c'est poids 5. Fuck. Fuck, 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 fuck. Mais que fait Sven? Où est-il donc? Où est-il donc quand on a besoin de lui? Oh, c'est relou ça. Je sais pas comment je pourrais faire. Pire. Je lâche quelque... Oh, mais attends, je bois de l'eau. Voilà, je bois de l'eau. Je bois de l'eau et qu'est-ce qu'on fait après? On s'en va. Je vais juste prendre de l'or. On viendra. On viendra miner. C'est juste que là, je sais pas ce que fout Sven. Ça m'inquiète un peu. J'espère qu'il est pas mort. C'est peut-être à cause de l'invocation que j'ai foutu dehors. Qui est resté dehors, justement. Hop. Merde, pourquoi j'ai ramassé cette torche? Quel idiot. Je n'en avais pas besoin. J'en jetais 3 même. Tant pis. Allez. On va retourner à Rivebois. C'est parce qu'il m'attend la sortie ici. Je vais invoquer un loup là. Mais où est Sven? Oh, s'il est mort, je lui ai laissé du minerai en plus. Putain. Ok, il y a les loups là-bas. Ça veut dire qu'ils ont trucidé l'hôte. Ah, il est là! Il est là, le voleur. Je lui... Vas-y, on va lui prendre son armure, tant pis. Mais après, je sais pas où est Sven. Vas-y, on va spammer. Hein. Bah, il est pas là, Sven. Qu'est-ce qu'il fout? Bon, je vais faire du craft. Hop. On va faire ça déjà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va faire full deck de fer, non? C'est un peu ça la méta. Après, je sais pas. Est-ce qu'on peut faire autre chose? Non, on peut pas. Faire full deck de fer. Je vais à la recherche d'une nouvelle lame. Je vais lui vendre. À peu près tout ce qu'il vous faut. Voilà. Est-ce qu'on lui vend aussi? Ouh, j'ai envie de lui vendre en vrai. Quoique, ça pourrait m'aider. Non, ça pourrait m'aider, je me dis. On va lui vendre ça par contre. Ça va nous aider pour l'instant. Pour la capacité de port, on en a besoin. Je vais aller miner. Ça m'inquiète cette histoire avec Sven. Parce qu'il a du minerai là, que je lui ai lâché. Lui faisant confiance. Sauf qu'après, je vois que des loups dehors. Et c'est relou, c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Je pense qu'il est mort. Hein. C'est pas possible. Sinon, il m'aura déjà rejoint. Hein. Depuis des lustres. Il y a un loup là-bas. Pas de Sven.
par terre. On a lui là-bas aussi. Mais attends, la sortie de la mine, elle est où déjà? Elle est par là, je crois, ouais, par là. Vas-y, on va éliminer. Hop, juste faire un truc vite fait, 2 secondes. Je mine, puis après on va arrêter ici. Tac. Ok, ça buguait. Ça buguait, voilà, là, ça bug plus. Let's go. Tac. Oh là là, j'ai plus mon chat, fais chier. Là c'est mieux. Là c'est mieux. Alors, où est-ce qu'on mine ? On mine ici. If you have a bad day. Hop. Popo. Ok, il n'y a rien là. Il y a du minerai au fond de la grotte. Et après, on devrait être bon. Il est là, je le touche quand je suis ici et que j'essaie de miner. Non mais c'est une blague. Hein. Ce jeu c'est une blague. Hop. Voilà. Bon. Bon, on a tout miné, je crois. Je vais regarder vite fait. On n'a pas miné ça. Oh, j'ai trouvé. Voilà, c'est bon. On va arrêter ici. Je vais sauvegarder. Une big save. Voilà. Bon, bah sur ce, merci d'avoir suivi. Ce fut une session de Skyrim assez laborieuse aujourd'hui. On a beaucoup eu de malchance, beaucoup eu de choses bizarres, beaucoup eu de misplay aussi. Et de choses qu'on n'aurait pas dû faire, mais bon. On a fait quand même. Donc voilà, donc demain ça ira mieux normalement. On peut pas faire pire qu'aujourd'hui en vrai, je pense. Ça ira mieux. On va commencer par du WoW en chill, sur retail, en leveling, suivi après de Skyrim. Du coup voilà. Bon bah sur ce, merci d'avoir suivi. On se dit à demain pour de nouvelles aventures. À plus, salut.